Salut les membres de la tribu, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui m'est sans cesse posée depuis que je suis home organizer. Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je jette? Et surtout, où est-ce que je dépose toutes ces choses que j'ai décidé de faire sortir de ma maison? Eh bien, je réponds pour vous à cette question aujourd'hui. Alors si vous vous êtes déjà renseigné sur le sujet du désencombrement, peut-être avez-vous lu dans certains bouquins ce qu'est la méthode STAR. La méthode STAR, c'est la méthode étoile. Une étoile, ça a 5 branches. Et donc la méthode STAR, elle conseille aux utilisateurs de créer 5 caisses. La première des caisses, c'est la caisse à garder. La deuxième, à stocker. La troisième à vendre, la quatrième à donner et la cinquième à jeter. Alors on va s'intéresser aujourd'hui principalement aux trois dernières, c'est-à-dire aux caisses que l'on remplit d'objets que l'on décide de faire sortir de la maison. Et je dis bien de faire sortir de la maison. Parce que vous avez une sale habitude et je la connais parce que je la vois tous les jours sur le terrain. Vous préparez des caisses à donner, vous préparez des caisses à vendre et à jeter, mais jamais elles ne sortent par la porte de votre maison, jamais elles n'atterrissent dans les associations, dans les parcs à conteneurs ou vers éventuellement les gens qui rachètent vos objets. Donc essentiel de bien comprendre que pour que la méthode STAR fonctionne, vous devez absolument aller jusqu'au bout de la démarche et éliminer jusqu'au bout les trois caisses à donner, à vendre et à jeter. La première chose à faire, c'est d'arriver à différencier ce que l'on va mettre dans la caisse à donner, dans la caisse à vendre ou dans la caisse à jeter. Alors pour moi, la première des choses, c'est d'essayer de favoriser un maximum le don. Il est clair que ça fait du bien de donner, que ça soulage le cœur, que c'est intéressant aussi de savoir que d'autres vont pouvoir encore utiliser ces objets. Donc, dans la démarche du home organizing, nous privilégions pratiquement chaque fois un maximum de choses à donner. Par contre, et là j'ai un petit bémol à faire et surtout une attention à vous donner tout de suite, vous devez absolument être attentif à ne pas mettre dans la caisse à donner des objets qui seraient abîmés, qui seraient inutiles, qui seraient défectueux ou qui seraient incomplets, comme par exemple des jeux de société dans lesquels il manque des pièces. Tout ça, c'est vraiment pas faire des cadeaux aux sociétés et aux bénévoles, surtout qui derrière vont trier tout ça. Vous savez qu'il y a au moins un tiers, si pas deux tiers, des choses qui sont données dans les associations qui doivent être jetées parce qu'elles ne sont pas en suffisamment bon état pour être données. Donc, soyez vigilants, s'il vous plaît, soyez attentifs au moment de remplir vos caisses à donner. Ne donnez que ce que vous accepteriez vous-même, d'accord? Donc des choses en bon état. Soyez attentif à ça. Vérifiez si les piles n'ont pas coulé. Vérifiez en mettant des piles si c'est encore en état de fonctionnement. Vérifiez si toutes les pièces sont présentes. Et seulement si toutes ces conditions sont effectivement bien remplies, alors vous pouvez déposer dans la caisse à donner. Et bien sûr, donnez un maximum de choses. Ne passez pas systématiquement par le système de vente. Je vous donne encore un petit truc par rapport aux associations dans lesquelles j'ai l'habitude d'aller. Il y a Oxfam, il y a Petit Rien, il y a Saint-Vincent-de-Paul, il y a les écoles où vous pouvez donner un maximum, les hôpitaux qui recherchent tout le temps des objets à donner. Il y a toutes les associations de femmes battues, il y a tous les foyers qui récupèrent des enfants, il y a tous les endroits où on peut aujourd'hui aider des migrants ou des personnes sans domicile fixe qui ont besoin, entre autres, de produits de soins pour pouvoir se laver, pour pouvoir laver leur linge. Bref, des endroits où donner, il y en a plein. Et si vous avez des questions, revenez vers moi, je trouverai toujours une association qui sera super heureux de récupérer tous les objets dont vous ne voulez plus. Alors pourquoi est-ce que je recommande de ne pas systématiquement essayer de tout vendre? Ben pour une raison toute simple. Vendre les objets que vous avez chez vous est terriblement chronophage, est terriblement énergivore. Vous allez dépenser un temps et une énergie de dingue pour arriver à trouver le potentiel acheteur, peut-être même vous déplacer pour aller déposer cet objet chez l'acheteur en question, tout ça pour récupérer 2 francs 6 sous. Posez-vous la question avant de mettre un objet à vendre, si vraiment l'énergie que vous allez dépenser, le temps dont vous avez besoin pour vendre cet objet, se justifie par l'argent que vous allez récupérer. Et évidemment, si c'est le cas, n'hésitez pas. Alors, on revend par plein de biais. Vous pouvez essayer de vendre par les réseaux sociaux. Facebook est une plateforme de vente qui fonctionne super bien avec Marketplace maintenant, qui est la nouvelle application proposée par Facebook. Vous pouvez bien sûr vendre sur des sites internet. Ici, en Belgique, on utilise deuxièmemain.be. Je sais qu'en France, on utilise Le Bon Coin. Et puis partout dans le monde, eBay, bien sûr, c'est un site qui fonctionne très bien. Vous pouvez aussi essayer de revendre via des magasins de seconde main ou des trocs, hein, des magasins où vous allez pouvoir déposer les objets et obtenir immédiatement l'argent liquide derrière.
matière. Pour vos bijoux, pensez aussi aux bijouteries. Vous pouvez essayer de revendre la matière, donc l'or ou l'argent au poids, ou éventuellement fondre l'or et l'argent pour en refaire quelque chose. Bref, il existe plein de possibilités pour revendre des objets et essayer de récupérer un petit peu d'argent. Donc, si vous avez besoin de cet argent et si vous estimez que l'énergie que vous devez mettre derrière pour arriver à le vendre est suffisante par rapport à l'argent que vous récupérez, foncez. Mais ne négligez pas l'élément temps et l'élément énergie qui est inévitable lorsqu'on décide de se mettre à vendre des objets. Dernier petit conseil par rapport à la vente, essayez un maximum de mettre les choses par paquets, de faire des ensembles, des groupements. Je pense par exemple à tous les vêtements de puériculture que les mamans essayent de revendre lorsque les enfants grandissent. Essayez de mettre des lots. Ce qui fonctionne le mieux, c'est ça, c'est des lots 6, 12 mois par exemple dans lesquels vous allez mettre une série de body, une série de pyjamas, une série de vêtements, une série d'accessoires et vous vendez le lot par exemple pour 50 euros. Donc à ce moment-là, vous pouvez utiliser la poste et envoyer le lot pour une somme exacte. Vérifiez que vous avez bien l'argent avant l'envoi du colis ou essayez de faire un échange immédiat de liquide directement pour ne pas vous faire avoir ou pour ne pas tomber sur quelqu'un qui serait peut-être une mauvaise intention et qui pourrait vous voler l'objet en question. Si vous savez faire tout ça, no stress. Moi, je vends des choses pratiquement tous les mois. Et si vous saviez la somme que j'ai déjà récupérée, bah vous en seriez vachement motivé pour le faire de même chez vous. Après la caisse à donner, on donne un maximum de choses. Après la caisse à vendre, on vend les choses en ayant bien conscience que ça peut prendre du temps et de l'énergie. Il reste bien sûr la caisse à jeter. La caisse à jeter, bah c'est la caisse qui se remplit de tout ce qui n'est ni à donner ni à vendre. Donc c'est vraiment la dernière caisse qu'on remplit. Essayez de ne pas remplir inutilement le parc à conteneurs de votre commune, de votre région, avec des objets qui pourraient être distribués ailleurs. Donc ça c'est clair, c'est la première chose. Le deuxième conseil, c'est d'essayer, au moment de trier l'ensemble des objets, de déjà penser au tri que vous aurez à faire à l'intérieur du parc à conteneurs. Donc évidemment, puisque les objets doivent être manipulés un minimum de fois pour gagner du temps et gagner de l'efficacité, essayez dès le départ de mettre de côté tous les métaux, tous les bois, la frigolite, les plastiques durs, les verres, le carton, les déchets ménagers. Donc trier au préalable un maximum de choses pour ne pas avoir à repasser en revue l'ensemble des déchets, donc des objets à jeter, au moment d'aller les distribuer dans les parcs à conteneurs. Essayez de faire attention de ne pas vous blesser au moment où vous manipulez les objets à jeter. Je parle par expérience, je me suis à plusieurs reprises coupée avec du verre, et donc ça peut être terriblement embêtant. Donc prévoyez aussi l'équipement dont vous avez besoin, comme des gants par exemple, pour pouvoir manipuler ces différents objets. Et puis, et je terminerai là, mais c'est vraiment des choses importantes si vous voulez arriver à un résultat efficace en un temps record, ben prévoyez la main d'œuvre dont vous avez besoin. Contactez les associations, essayez de leur poser la question, qu'est-ce que vous prenez, qu'est-ce que vous ne prenez pas, à quel moment êtes-vous ouvert, est-ce que je peux passer maintenant pour vous déposer tous ces objets. Si vous ne prenez pas les informations, si vous ne vous organisez pas un peu à l'avance, vous risquez de faire des trajets, des déplacements inutiles et donc de vous décourager lorsque vous constaterez en amenant bien gentiment l'ensemble de votre coffre que certaines associations ne prennent pas l'ensemble des objets. Il y a vraiment des associations qui deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus sélectives sur les objets, c'est normal, c'est l'offre de la loi et de la demande. Il y a aujourd'hui plus d'objets à donner qu'il y a d'objets à vendre. C'est impressionnant ce que les associations peuvent récupérer. Idem pour la vente. Si vous n'arrivez plus à vendre au même prix qu'il y a quelques années, c'est simplement parce que le marché de la seconde main est sursaturé. Il y a de tout. On peut tout obtenir aujourd'hui avec des prix des fois dérisoires. Et par rapport au tri des déchets et à l'évacuation de ceux-ci, si vous avez besoin d'une remorque, trouvez un copain pour vous passer une remorque. Si vous avez besoin d'une camionnette, prévoyez la camionnette. Ça ne sert à rien de sortir tous les déchets devant la porte de votre maison et puis vous rendre compte qu'il faut la laisser pendant une semaine, deux semaines là devant l'entrée parce que vous n'avez pas prévu la solution nécessaire pour aller le déposer. Donc vous voyez, tout ça, c'est des petites questions que vous pouvez vous poser en amont pour essayer de remplir un maximum la caisse à donner, à vendre et à jeter. Donc essayez d'avoir une moisson d'objets à éliminer la plus importante possible. N'oubliez pas, c'est mon conseil de base, plus vous éliminerez, plus vous vivrez libre, heureux et indépendant financièrement et indépendant de tous les points de vue. Donc essayez vraiment d'éliminer un maximum de choses. Mais si vous voulez que ça se passe bien, ça se prépare un minimum et ça se réfléchit au moment de le faire. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon courage dans votre tri. Pensez à moi au moment de remplir un maximum vos caisses et je serai vraiment fière de vous si vous arrivez à éliminer beaucoup. À bientôt pour la suite de mes conseils. Salut, salut !